Et merci du follow Tsukinoza. On dirait le mélange entre un personnage de manga et un plat japonais. Alors. Ah mais c'est eux qui courent. Oh bah j'étais presque à un monde près, j'avais les bons souvenirs. Mais non. Et les gemmes? Je les ai gratuitement? Ou alors c'est les gemmes? Ok ouais, je les ai gratuitement. Enfin directement. Du coup, elle envoie ses enfants au suicide. Ah! Oh, ah! Ok. Je pense que tout s'est bien passé. Ça marche pas. Bonjour. Voilà. Je suis sûr, tu dis à Sheldon que dans les changements de Warframe, le vaisseau peut bouger, il est pas au courant. Il y a moyen. Oh. Oh. Oh, une Keyblade! C'est la chaîne royale. D'ici, je dois pouvoir atteindre la grosse. Ou alors, du moins, la petite plateforme là. Et non, c'est l'échec. Keyblade! On va tenter d'ici, hein. Ouais, d'ici ça passe. Ah, ah, oh, ah, i. Bonjour. Ah, c'est le boss. Ah, oui, je me souviens de lui, de sa tête. Tronc d'eau. Un tronc avec de l'eau. Oh, c'est Maeve. Shem se croit tellement cool. Et tu sais pas ce que c'est que de l'entendre parler encore et encore. Mais laisse-moi te dire un truc. Il devrait surveiller ses arrières. Ah. Oh. Indice chez vous. Tellement ça. Ok. Oh, là-bas il y a des trucs. Bonjour. Mince, je n'ai pas eu ses fesses. Effectivement, il est cul nu. Grok, Bounty Hunter. Mélangez pas tous les jeux. Wow, wow. Calme-toi. Calmez-vous. Ouch. Ouchy ouch. Allez, d'accord. Il tourne avant de taper. D'accord. Tout simplement. Et là, c'est quoi son pattern? D'accord, c'est la même chose. Mais non! Je suis con. Bloom. Poup, 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 poup. Keyblade. Waouh, une jam à 25. Super. Il me manque beaucoup de gemmes. C'est génial. On va essayer de voir. Dragon jaune, c'est Bounty Hunter. Keyblade. Ça y est. Le chat est en roue libre. Ok, on peut pas passer ici. Ok.
Mais y a plus rien après là. Pourtant, il me manque 35 joyaux. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé? Bah déjà ça. Il me manque 25 joyaux. C'est-à-dire l'équivalent d'un joyau rose, violet. Je sais pas trop. C'est pas clair. Oh, il y a une éclipse. Oh, c'est trop beau. Très joli. Ah, là-haut. Putain, heureusement qu'on voit le truc briller de loin. Est-ce que ça serait même pas fait exprès? Et donc bien fait, du coup. Pff, j'ai cru que j'allais mourir. Mais c'est parfait tout ça. Ouch, ouchy, ouch. Et à la maison. Du coup, monde terminé. En 2h15, deux mondes. Ça va. Hein. Sachant que j'ai un peu galéré quand même là sur. Pour trouver un moment des cristaux. Qu'en gros, faut compter entre 45 minutes et 1 heure par monde. Ça va, hein. Il est où mon Golfierman? Il est là-bas. Sauvegarde. Merci. Je n'arrive pas à croire que tu aies retrouvé si vite autant de trésors. Si tu es prêt, monte à bord et en route pour le monde des ouvriers magiques. Ça, c'est le pire monde. Rôle, c'est pris 2500 murs, mais sa dentition est parfaite. Eh oui. Le pire monde. Et en même temps, l'un des meilleurs. En fait, c'est très paradoxal. J'aime beaucoup de choses dans ce monde. Enfin, dans ce monde. Mais en même temps, c'est chiant. Et quand je dis monde, je parle de... Du monde des ouvriers magiques et des mondes... Enfin, des mondes accessibles depuis celui-ci. Ouf. Alors, déjà on va regarder un peu autour, hein, pas se faire baiser. Ça c'est tellement les flaques d'eau qui m'ont baisé, enfin les trous comme ça qui m'ont baisé dans The Surge, c'est les mêmes quoi. Il allait plus vite dans l'original. Ils sont stylés, je me souviens d'eux hein, comme personnages. Petite musique sympathique, hein. Petite cosmos. Bienvenue chez les ouvriers magiques. Il faut que tu libères les dragons, retrouves nos trésors et reprennes les œufs à ces satanés voleurs bleus. Le mec, il fait des rimes. Alors, ce que j'aime bien dans ce monde, c'est que généralement tous les ennemis sont alignés. Mais bon, après, il faut être bon, quoi. Salut Raph. Je trouve que le pire hub c'est les marées. Après j'ai pas fait le jeu à 100% quand j'étais jeune. Oh putain, c'est vrai qu'ils font ça. Et après ils se moquent de nous. C'est clairement des ennemis qui ne servent à rien. Genre leur pouvoir c'est juste pour se la péter. Et casser les couilles. C'est vrai qu'ils font le bruit là. Bâtard, j'étais presque. En vrai, ça sert à rien ce que je vais faire. Merde, je l'ai pas eu.
3B, hein. J'ai failli oublier encore un joyau. Ouah! Vite, chope le papillon. Mais pourquoi on perd ce temps pas? L'angle de braquage qui est pas terrible. Mais... Nique ta race. Voilà pourquoi je déteste. Je cherche le bon moment. Non! Il a tourné dans l'autre sens. Ok. Qui est au désert? Le désert, je viens de le finir. C'est le deuxième monde hein, dont tu parles. Ah, mais ça fait moins le malin. Hein, quand ça le soulève le sol du mauvais côté. Oula, oula, oula. Ce petit cri à l'unisson. Ah oui, ça j'adore. En gros, voilà, je me souviens. Ce que j'adorais dans le jeu, c'était les petits boosts de speed. Lorsque tu vois des flèches comme celle-ci, tu peux charger sur elles pour déclencher Luxor. Une supercharge. Une supercharge ? Excellent. Vas-y, essaie. C'est tellement Luxor. Ce jeu, c'est vraiment Kingdom Hearts. Hein. Salut, Boldar. Ce portail mène à un endroit spécial où tu peux apprendre à voler. Oh, je me souviens quand j'étais un jeune dragon qui testait ses ailes. Apprendre à voler, ok. Pouf, pouf, pouf. Ok, ça continue par là. Ah, ça c'est un truc avec une clé. Bon, en vrai j'ai... Waouh, waouh. Quoi? Oula, oula. Ça c'était gratuit pour les moutons. Il y a beaucoup trop de références à KH dans ce stream, pouce bleu. Moins de 2 mois avant KH3 en plus. Coïncidence, très certainement. Dégage. Oula. Boum, 25. Aïe. L'échec. Ok. Ensuite. Que là du coup. Il me manque 45 joyaux. Et il me manque donc la clé. La Keyblade. Pour le coffre. Oh oh. Vif cash, ah. Raph qui est une personne de bon goût. Mais qui en doutait, j'ai envie de vous dire. Un papillon là. Où se trouve cette Keyblade? Ah, en vrai... Attendez. Y'a rien là, on est d'accord.
Help. Ce renfoncement me paraissait suspect. Et ça aussi c'est suspect, hein, cet endroit là qui finit nulle part là. Oh attendez, je crois savoir. Oui, je me souviens. Alors. C'est chaud, ce virage. Et là, il y a le soleil. Tu me triggers à ne pas chercher partout. Mais si, je cherche partout. En même temps, je suis déjà passé partout. Et là, le truc, c'est que c'est un endroit caché. C'est pas là. Je suis sûr qu'il y a un délire de trucs comme ça, hein, mais... Faut trouver le mur caché. Secret. Ça, tout ça. Si je dis... Ah non, mais non. Mais non. Mais je suis débile. Je suis un gros débile. Y'a rien de caché. C'est juste qu'il faut se servir de cette vitesse pour casser le coffre. Y'a pas de clé cette fois-ci. Putain, il me manque une gemme à 10 ou 2 à 5, peu importe. Non. Le mur secret d'histoire. Ah là, ici. Keyblade. Bon. Je me retrouve avec une clé, donc c'est cool, hein. Mais est-ce qu'elle est... Bah non, elle va pas être utile du coup. Chaîne alpine, putain, j'aurais kiffé que ça soit chaîne royale. Plus là, j'ai la Keyblade. En, mais en vrai, ils sont... Il est où J'ai un délire quelque part. Aide-moi, toi. Bah bonjour. La politesse c'est bien aussi. Mais en vrai... Bah, y'a rien, on est d'accord. Ils sont où ces 10 derniers joyaux de merde? C'est la vraie question, c'est où est-ce qu'ils peuvent être? Pas de petits joyaux. T'as pas de joyaux, toi? Là, c'est la mort. Je suis sûr qu'ils sont en contrebas de quelque chose. Ça m'aide moyennement, mais... Moi, je pense plus que c'est un truc caché comme, bah, comme là où il y avait la clé. Je viens de perdre deux vies pour rien.
Ah putain! Quelle idée de vouloir faire le jeu à 100% aussi maintenant. En plus, il y a plus de... Où les pets? Je peux pas récupérer de vie. Salaud! En fait, ah, là! Du coup, c'est pas vraiment un contrebas. Je passe un peu à travers le sol, hein, mais... Hein. C'est un petit peu... hein. Borderline. M'en fous, j'ai une Keyblade. On va passer par là, plutôt. Oh oui, super. Super. Non, je fais de la grosse dub là, je... Mais nique-toi le jeu. On va y aller en sprint. Hein. Il fait une tête trop bizarre Spyro quand il revient comme ça. Ah bah voilà. Facile. Tout ça pour 10 joyaux et 0... Allez, mais bon, si tu veux finir à 100% un jeu. Alors attendez, les portails... Il n'y en a pas par là, donc ça c'est le premier. Use the Keyblade. Je l'ai utilisé du coup. Mais du coup, on peut faire, on peut garder la clé sans la dépenser. Parce que là, en soi, j'aurais pu le défoncer avec la charge. You. Adieu, Spyro. Re, Spyro. Alors, c'est quoi ces trucs? C'est nul. J'adore leur bruit à eux. Oh! Ah, ils montent dessus pour pouvoir descendre, si tu veux. Merci. Quand on aime, on ne compte pas. Oui. Oh, ils volent. Oh, Spyro, tu n'as pas peur de ces gigantesques animaux affreux, hein? Bien sûr que non. Oh, parfait, j'en étais sûr. Lui, c'est plus un ptérodactyle qu'un dragon. Avec son museau aussi long comme ça. D'accord. On peut monter. Ah, ça brille. Et c'est parce que c'est la magie qui retient le truc. Y'a pas de... Ah, et... Le joyau qui m'aurait manqué. Ok. Stéréotype de race. On aurait dit, tu parlais d'un juif avec son museau aussi long. Waouh. J'ai parlé de ptérodactyle qui est aussi un animal. Hein. Calme-toi. Waouh.
Là, le mec il faisait un triple salto ouvrier là. Eldrid. Merci de m'avoir libéré. Pip. Ça s'appelle Pip, pas Eldrid. Paladins plagia Spyro. Lui qui voulait pas mourir. Putain, les lignes de basse qu'il y a sur cette sur la musique de ce monde. Oh, j'ai chargé alors que j'aurais dû cracher du feu. Ow. Meilleur bruitage. Grave. J'ai pas vu son nom. Excellent travail, Spyro. Il a des ailes. Comme ça, et tu sauras tout ce qu'il y a à savoir du monde des ouvriers magiques. Je sais plus comment s'appelle la ressource dans Borderlands. Mais ces ailes, on aurait dit qu'elles étaient faites en ça. Borderlands 2. Je sais plus. Hop. Et là il va manquer un cristal. Spoiler. Ah non, 6. Iridium, c'est ça. On aurait dit de l'iridium. Si ça on dirait pas le symbole de Kingdom Hearts hein. Tout est lié. Mais là-bas, il y a un truc qui bouge là-bas. Je voyais un chapeau qui bougeait, je me disais, bah mince, c'est pas normal. Là-bas. Quelle est cette sorcellerie? Mais il y a 1 million de personnes là. Ça passe? Ouais, ça passe. Dégage. Du coup, il y a un peu plus que 6 cristaux en fait. Oh, wow, wow. Evie. Spyro a inspiré tellement de jeux. Oh. Un peu tard. Ça passe tout juste, hein. Ok. Ouais, il y avait que ça. Il y avait rien d'autre. Attendez, parce que si je suis capable de louper des niveaux aussi. Enfin, des morceaux de niveau aussi grands. Ah oui, bah, effectivement. En face, c'est des trucs là. Ok. Je vois.
J'ai une vision d'ensemble. Quand on y pense, c'est vraiment pas ouf comme jeu. Ah, le 1, il est vraiment pas ouf, hein. T'as deux attaques, t'as de la plateforme, et puis c'est tout, hein, basta. Le 2, je le préfère déjà. Beaucoup plus de choses. Wow. N'oublie pas que ces voleurs bleus ont aussi pris des œufs ailleurs que chez les ouvriers magiques. Pas de problème, je m'occupe d'eux. T'es deg, Equinox. Merde, les triggers. En vrai, cours, pas du cours. On fout. Moi, je ramasse déjà les cristaux. Ok. Il me manque 20 cristaux. Non! Ouais, tout à fait exact. Ouais, je pense que t'es un. Non! Putain! Merci du follow, Raph. Je vais rattraper cet œuf pour toi. C'est mon cadeau à la communauté. Mais d'où? Ah, voilà. C'est pour toi, Saraf. Cadeau. Je m'en doutais. Mais je savais pas si ça... Je m'étais un peu reculé, mais pas assez, a priori. Fils de pute de jeu. Eh ben, dis donc, les loves, vous avez du mal. Hein. Equinox, t'as pas essayé KH3 directement? Alors, comment on fait? Ça. Ça. Fais ça. Et non, mais bah, qu'est-ce que la caméra, elle sait pas me suivre. Ça boum là-haut. Putain, je me suis dit le cristal il s'est cassé la gueule maintenant. We are the champion. We are the champion. No. Inverse les noms peut-être, Equinox. Keyblade. Bon, en tout cas, le succès encore une fois, le 100%. Ce niveau était un peu, partait un peu en n'importe comment. Hein. Par contre, je me dis, je vais beaucoup trop vite en fait. Donc, faudra que je trouve un jeu à faire après celui-là. Oh, il y a tout qui a respawn, non, c'est chiant.